chers téléspectateurs, dans cette édition événement de Sahel TV, focus sur la crise qui menace la ligne éditoriale de Sahel TV, votre chaîne indépendante. Après 3 mois de diffusion, la télévision du Sahel annonce avec grand regret l'arrêt de sa diffusion. Pour des raisons de désaccord entre les employés et les actionnaires, notamment 3 mois de salaire impayé, mais surtout le désir des actionnaires de changer le directeur général. Car il ne serait pas satisfait de la ligne rédactionnelle mise en œuvre par Baoul Salek. L'équipe de Sahel TV, comprenant l'équipe technique et les journalistes, ont décidé d'une seule voix de cesser à contre-cœur la diffusion de notre chaîne à partir de dimanche minuit. Nous tenons le conseil d'administration pour responsable de cette situation et nous leur demandons d'agir positivement face à notre désarroi. Nous demandons à ce que nos droits soient respectés et insistons sur la nécessité primordiale, dans ce bras de fer, de verser les salaires de tous les employés de la chaîne avec laquelle nous avons signé des contrats. Nous, les employés de la Sahel TV, ainsi que notre directeur général Baoul Salek, insistons sur l'importance que nous donnons à ce que cette chaîne représente équitablement toutes les composantes de notre cher pays. En effet, Sahel TV est une chaîne populaire et nous recevons tous les jours des centaines d'appels des quatre coins de la Mauritanie et même de la sous-région pour nous féliciter de la qualité de nos programmes. De ce fait, nous sommes très fiers d'avoir participé à cette aventure qui semble sur le point de prendre fin. D'après nos informations, le conseil d'administration se plaint de la ligne éditoriale de notre chaîne et souhaite se séparer de la plupart de ses employés. Certes, nous ne pouvons pas nous opposer à ce limogeage de masse, mais nous serons inflexibles sur le paiement de nos salaires impayés depuis 3 mois. Voilà plus de 8 mois que les équipes de la Sahel TV travaillent sans relâche et dans des conditions critiques. De jour comme de nuit, tous les employés de cette chaîne, avec le directeur Baoul Salek, ont veillé à la qualité de leur contenu afin d'offrir aux téléspectateurs une production audiovisuelle nationale de qualité, selon les meilleurs standards. Apparemment, cela n'était pas du goût de quelques actionnaires, mais à nos yeux, le plus important est que ces programmes aient rencontré l'adhésion de nos téléspectateurs. Djibril Diaw. Voilà déjà plus de 3 mois que votre chaîne Sahel TV travaille sans relâche, dans les conditions les plus sobres pour répondre aux besoins de son public. Cette situation critique est vécue de jour comme de nuit par les employés de cette chaîne, avec à sa tête le directeur Baoul Salek, qui a, depuis le début du lancement de la chaîne, transformé son appartement situé au 7e étage de l'immeuble BMCI en studio pour la rédaction, les émissions, centre de modulateur, salle de montage et d'enregistrement, et aussi centre de diffusion via Rapsat. Il est impossible d'imaginer qu'un tel travail peut se faire dans ces conditions, telles sont les remarques de plusieurs professionnels de l'audiovisuel qui ont eu à visiter notre chaîne. Mais malgré ces conditions de travail spartiates, tous ces jeunes journalistes et techniciens sont engagés et passionnés à envie de bâtir une chaîne qui unirait tous les Mauritaniens afin qu'ils s'y retrouvent, tous dans la diversité de leur rang et aussi richesse patrimoine. Au moment où nos autres confrères accomplissent leur reportage dans des normes et conditions d'aisance, les reporters de Sahel TV s'entassent dans des taxis-brousses avec des voyageurs ordinaires durant plusieurs mois. Souvent même, c'est la voiture personnelle du directeur qui transportait tous les journalistes et techniciens. Ces jeunes, formés et encadrés par la plupart d'entre eux par Baoul Salek, proviennent tous des lieux différents et beaucoup sont ceux qui ne se connaissaient pas avant. Aujourd'hui, ces jeunes partagent leur quotidien comme des frères et sœurs, une vraie équipe formée et prête à servir son pays à tout moment. Malgré une absence totale des mesures d'accompagnement, l'équipe du Sahel TV arrive tant bien que mal à satisfaire ses téléspectateurs qui se comptent maintenant par centaines de milliers en Mauritanie et dans le monde. De par son offre de programmes diversifiés et leur contenu culturel qui reflète la vraie image de la Mauritanie, Sahel TV aura accompli sa mission, en plus de celle d'informer en toute objectivité et responsabilité vis-à-vis de ses engagements déontologiques tels qu'énumérés dans le cahier de charges de Mauritvision TV, que Baoul Salek avait co-signé le 3 mai dernier avec Maître Hamdi Oul Majoub, ministre de la Communication. Hélas, comme le disait un proverbe africain, quand 10 personnes creusent et 10 autres remettent de la terre, il n'y aura que de la poussière, mais jamais un trou. Alors que les émissions en langue arabe représentent 63% sur tout le programme diffusé, les partenaires financiers de la chaîne réclament le changement total de cette ligne éditoriale, qui ne répondait pas à leurs valeurs. Ces actionnaires estiment que cette chaîne diffuse trop d'émissions culturelles destinées à la population noire.
Eh bien, nous, notre engagement avec la APA, c'était de fournir 60% de diffusion de nos programmes en langue arabe. Eh bien, nous sommes 4% au-dessus actuellement de toute la diffusion de Sahel TV depuis qu'elle existe, soit sur le site web ou sur Arabsat, a représenté 64% en langue arabe. C'est-à-dire que c'est vraiment la part du lion qui a été réservée et que cette critique, de toute façon, n'a pas sa raison d'être. Parce que depuis le départ, nous avons bien identifié que nous allions être une chaîne ouverte à toutes les langues et à la diversité des communautés qui font notre pays. Il n'a jamais été question que nous fassions une chaîne arabophone à 100%. Personnellement, ça n'a jamais, je ne pourrais pas adhérer à ce genre de projet, je ne pourrais pas y travailler. Sachant que les langues nationales sont une composante importante, que leur patrimoine mérite d'être valorisé, que la langue française est une langue de communication entre les composantes de ces pays, que c'est la langue de travail de l'économie nationale, des banques, d'énormément de Mauritaniens qui parlent français et qui ont aussi droit d'être informés et d'écouter des programmes en français sur une chaîne mauritanienne, mais à destination aussi d'un public trop plus large qui est le Sahel. Son but, qui est désormais celui de toute l'équipe, est de rassembler autour de lui et de réunir tous les Mauritaniens autour d'un seul écran. L'objectif est de retrouver cette Mauritanie déchirée et dispersée, enfin unie après les mésaventures des régimes politiques et des élites nationalistes arabes ou négro-mauritaniennes qui ont tant de fois détruit le ciment fragile de l'unité du peuple mauritanien. Ce bras de fer entre les partenaires financiers et les journalistes pose la question essentielle, celle du multiethnisme mauritanien. La Mauritanie est-elle prête à se remettre en question et ouvrir le débat existentiel sur sa diversité? Fatima Tendjai. L'audiovisuel mauritanien pourrait-il exister sans susciter une division raciale? Qui pourrait nous apporter une réponse à cette interrogation? Vu la tournure des événements, l'équipe de Sahel TV a dépassé le stade des interrogations et se porte volontaire pour apporter une réponse à cette question, qui s'avère être tout simplement un non. Notre ligne éditoriale se veut être une tribune pour tous, sans distinction de race ni de langue. Le problème qu'endure actuellement Sahel TV découle d'un préjugé qu'auraient fait un ou deux actionnaires, selon lesquels la forte présence de journalistes et de programmes négro-mauritaniens et francophones dénature l'authenticité arabe de la Mauritanie. Ces préjugés, pourtant, ne reposent sur aucun fait réel, car la proportion de l'offre de contenu en arabe dépasse les 60% de tout ce qui a été diffusé par la chaîne. Sahel TV s'est toujours engagé à prôner la diversité culturelle et à faire en sorte que chaque couche de la population se voit à travers ses programmes. Sahel TV souhaitait devenir le miroir dans lequel se verraient tous les Mauritaniens. Hélas, il s'est trouvé que certains autres actionnaires s'attendaient à tout autre chose. Une télé purement arabophone. Ce qui veut dire qu'en matière d'audiovisuel, ils ne sont pas prêts à satisfaire les besoins de l'autre partie de la population, les négro-mauritaniens. Les téléspectateurs négro-mauritaniens étaient tout simplement exclus des écrans mauritaniens avant Sahel TV. Comment doit-on appeler cette situation? Discrimination ou racisme? Quel que soit le nom de ce déni, il est source d'indignation. De quoi est-il coupable le citoyen négro-mauritanien? Si ce n'est être noir. Est-ce de sa faute s'il comprend le français mieux que l'arabe? A-t-il vraiment choisi d'être différent culturellement? La réponse à toutes ces questions est non. Alors pourquoi dérange-t-il autant, malgré la modeste proportion que ces communautés négro-mauritaniennes ont obtenue dans les programmes de Sahel TV, la seule chaîne qui lui donne voix au chapitre? Nous tenons à féliciter nos équipes pour l'excellent travail fourni jusqu'à présent par tous les employés de la Sahel TV. Dans cette perspective, suivez ce reportage d'Anissa Tahar sur les grands reporters de la chaîne. Les grands reportages, la fierté de Sahel TV. La TV Sahel fait une rétrospective sur ses premiers mois de diffusion avant de tirer le rideau. Dans cette perspective, nous voulons distinguer nos grands reporters qui ont eu à évoluer sur des fronts de guerre comme en Normalie, occupé par les groupes djihadistes. Là-bas, Sahel TV a dépêché à trois reprises des équipes de reporters qui s'y rendaient sans peur. Ils étaient fiers de rapporter des reportages et des images dont certaines ont été achetées par une chaîne allemande.
Ces grands reporters ont donné au journalisme de Sahel TV ses vraies lettres de noblesse. Il est vrai que c'est un métier pénible qui demande beaucoup de patience et d'endurance et d'aisance dans le contact et la collecte de l'information. Mokhtar, Hamadi, Gawad, Mohamed et Ali Cheikh ont sillonné les steppes du Mali en taxi brousse et ont dormi avec les maquisards et les réfugiés Touareg pour pouvoir les filmer. Les grands reporters peuvent être fiers d'avoir accompli leur devoir, celui d'informer. D'autres grands reporters, comme Demba, sont allés essaimer le Guidimara pour recueillir les peines et les joies de ces populations dans leur langue locale, le soninké. Comme notre reporter Soumeya qui est allé couvrir l'événement de la grève de la MCM à Agjouj. Sans oublier la couverture de Djibril Diaw sur les élections présidentielles au Sénégal. Une autre équipe de femmes reporters est allée couvrir les 48 heures de Diouk. Fatoumata Ndiaye, Kanté et Farmata ont fait la fierté de la chaîne à Rosso. Tant d'autres équipes ont sillonné les villes de Ouadan, de Zouerat, de Matamoulane, de Bogué, de Nouadhibou et d'Atar. Nous voulons tout simplement prouver à nos téléspectateurs que la chaîne a déployé beaucoup d'efforts pour couvrir l'actualité où qu'elle soit, sans distinction d'ethnie ou de langue. À Sahel TV, on ne fait pas de différence entre nos concitoyens. Ils ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Les journalistes de la chaîne sont ainsi des Mauritaniens qui œuvrent pour l'unité nationale dans le respect des différences. Notre chaîne de télévision traverse des difficultés graves qui menacent sa pérennité. En effet, les adversaires de notre ligne rédactionnelle font toutes les manigances pour étouffer Sahel TV qui est devenue en peu de temps la tribune vers laquelle s'adressent tous ceux qui s'ibusent des injustices et ils sont nombreux dans notre pays. Sahel TV est fier de leur avoir donné l'occasion de s'exprimer. Pour plus de précisions, nous accueillons sur ce plateau M. Baoul Salek, directeur général de la Sahel TV. Bienvenue M. Salek. Merci, merci de m'inviter. Dites-nous M. Salek, quelle est la nature de cette crise qui menace la Sahel TV? Écoutez, cette crise est une crise gravissime. Je ne peux pas définir la nature. Mais je crois savoir qu'elle dure depuis déjà quelques mois entre des partenaires financiers actionnaires de Sahel TV et qui apparemment ont perdu confiance dans ce projet ou peut-être dans ma propre personne depuis bientôt 4 à 5 mois. Pourtant, en général, des bailleurs de fonds peuvent reprocher à leur manager de projet d'avoir fait des dépassements dans les budgets qui étaient prévisionnels. Ce n'est pas le cas. Nous sommes bien en deçà de ce qui était nos besoins financiers de départ parce que nous avons été les plus économes possibles, à telle enseigne que nous avons développé cette chaîne à partir de rien, quasiment, ici, dans des conditions très drastiques, très spartiates. Nous avons fourni le maximum d'efforts, moi-même et bien sûr vous, Ndeye, et toute l'équipe de Sahel TV. Nous travaillons dans des conditions difficiles, et pas pour gagner de l'argent, comme auraient pu le faire des financiers, mais nous estimons que nous sommes investis d'une mission par rapport à notre pays, par rapport au peuple mauritanien, et par rapport aussi au peuple de la région sahélienne à laquelle notre chaîne s'adresse. Et ceci, il faut bien que les Mauritaniens le comprennent. On s'adresse aux Mauritaniens, mais aussi on s'adresse au peuple sahélien, aux pays voisins sahéliens et au monde par-delà notre cher pays. Et ainsi, cette crise s'est développée et est devenue une crise d'asphyxie financière d'un projet, alors que nous diffusons depuis 2 mois sur Arabsat. Sans aucun moyen financier de la part de ces bailleurs de fonds qui devaient en principe nous accompagner jusqu'à la fin de l'année 2012, c'est ce qui était prévu, en considérant qu'à partir du début de l'année prochaine, la Sahel TV allait générer et devait logiquement générer des ressources, notamment en matière de publicité, qui pouvaient lui permettre de voler de ses propres ailes et de rembourser ce prêt que les actionnaires ont consenti sur une période de 5 ans sans intérêt. Malheureusement, depuis donc, je disais tantôt, depuis 5 mois, cette asphyxie financière
a frappé de plein fouet notamment tous les budgets de production de la Sahel TV. Les salaires sont impayés depuis 3 mois. Le fonctionnement de la chaîne est assumé par moi-même avec mes modestes moyens afin que les téléspectateurs puissent continuer à recevoir de notre part l'information qu'ils méritent. Il y a un tant soit peu de programmes de divertissement que nous pouvons fournir avec des budgets vraiment insignifiants. À telle enseigne, par exemple, nous n'avons toujours pas pu acheter de films, ni d'acquérir ce qui est très important pour un certain public, les mousselsalat turcs ou mexicains, même s'ils sont dits en arabe. Ainsi de suite, d'éléments fondamentaux qui manquent, qui devraient logiquement être mis à la disposition d'une chaîne pour se lancer. Écoute, ce n'est pas difficile. Pour l'instant, ce projet a coûté aux investisseurs la somme de 200 000 ouguillas, dont uniquement 50 millions ont été investis seulement dans les programmes, l'émission, les salaires, le fonctionnement de cette chaîne. C'est-à-dire que c'est dérisoire. L'autre somme a été investie dans l'acquisition du matériel et le paiement de 30 millions d'ouguillas comme le devance à la APA. C'est-à-dire qu'en termes de ratio, c'est un projet qui a été réalisé avec vraiment des budgets au minima. Donc on ne peut pas considérer que cette critique, disons, d'une mauvaise gestion de ressources soit la raison de cette crise. Alors, on suppute et certaines rumeurs circulent selon laquelle certains des actionnaires voudraient voir davantage d'offres de programmes arabophones sur la chaîne. Eh bien, nous, notre engagement avec la APA, c'était de fournir 60% de diffusion de nos programmes en langue arabe. Eh bien, nous sommes 4% au-dessus actuellement de toute la diffusion de Sahel TV depuis qu'elle existe, soit sur le site web ou sur Arabsat, a représenté 64% en langue arabe. C'est-à-dire que c'est vraiment la part du lion qui a été réservée et que cette critique, de toute façon, n'a pas sa raison d'être. Parce que depuis le départ, nous avons bien identifié que nous allions être une chaîne ouverte à toutes les langues et à la diversité de des communautés qui font notre pays. Il n'a jamais été question que nous fassions une chaîne arabophone à 100%. Personnellement, je ne pourrais pas adhérer à ce genre de projet, je ne pourrais pas y travailler. Sachant que les langues nationales sont une composante importante, que leur patrimoine mérite d'être valorisé, que la langue française est une langue de communication entre les composantes de ce pays, que c'est la langue de travail de l'économie nationale, des banques, d'énormément de Mauritaniens qui parlent français et qui ont aussi droit d'être informés et d'écouter des programmes en français sur une chaîne mauritanienne, mais à destination aussi d'un public trop plus large qui est le Sahel. Francophone par ailleurs, je le rappelle. Monsieur Salek, dites-nous quel est le processus de ce rêve devenu réalité, de ce rêve qu'est la Sahel TV. Écoutez, Sahel TV est un rêve que je porte depuis les années 90, qui n'a pas pu se matérialiser avant cette dernière ouverture de l'audiovisuel. Certes, c'est un rêve que je ne pouvais pas réaliser parce que je n'en ai pas les moyens financiers, s'entend. Mais j'en ai et j'ai éprouvé la capacité de mener un projet éditorial jusqu'à son terme. Et j'espère que les téléspectateurs qui nous regardent maintenant peuvent apprécier ce que nous avons fait. C'est-à-dire une chaîne ouverte à tous, un micro qui est ouvert à tous les Mauritaniens, quels qu'ils soient du pouvoir ou de l'opposition, ou ceux qui ne font pas partie et qui sont, à mon avis, légion dans les deux camps. Eh bien, ce rêve s'est réalisé. Il peut peut-être demain s'arrêter, mais j'ai l'ambition d'en recommencer un autre si celui-ci ne peut pas se développer avec moi. Monsieur Salik, dites-nous, quelle est donc cette ligne éditoriale qu'on vous reproche ? Écoutez, on ne m'a rien reproché parce que moi, j'ai demandé à réunir un conseil d'administration depuis le 17 août. Depuis le 17 août, j'ai convoqué un conseil d'administration qui ne s'est toujours pas réuni. Pour quelle raison ? C'est aux autres administrateurs d'y répondre. Ce qui est sûr, c'est que
J'ai proposé, au vu de la crise qui s'étendait effectivement à la veille de la fête de l'Fatr, quand je n'ai pas pu obtenir pour vous, Ndeye, et pour tous les membres du staff de Sahel TV, le règlement de vos arriérés de salaire, j'ai trouvé que cela était effectivement inconvenant. Et j'ai écrit une lettre, une convocation de tous les membres du conseil d'administration afin de leur présenter ma démission et éventuellement sauver ce qui pouvait l'être. Cette réunion n'a pas eu lieu. J'entends ici et là des rumeurs que certains actionnaires ou conseillers de ces actionnaires font circuler selon laquelle c'est une chaîne négro-mauritanienne francophone. C'est absurde. C'est ridicule. Sahel TV est une chaîne mauritanienne ouverte à tous les Mauritaniens. Ce genre de rumeur, moi, j'ai le balai d'une main. Cette chaîne devait être le miroir de tous les Mauritaniens et l'écraser comme votre équipe, comme notre équipe ici est composée. Je n'ai jamais demandé à quelqu'un de quelle région ou de quelle tribu il vient. Ce qui est important pour moi, c'est la compétence des femmes et des hommes qui composent cette équipe et qui doivent être motivé comme moi pour faire un rendu au peuple mauritanien qui soit à la hauteur de ses espérances d'une chaîne de télévision indépendante. Quelles sont les perspectives d'avenir de cette télé? Je ne sais pas. Moi, son avenir, je n'ai pas entre mes mains. Moi, je ne suis qu'un modeste actionnaire qui est à la hauteur de 15%. Je rappelle quand même aux actionnaires que la licence attribuée par la HAPA est attribuée moi en tant qu'opérateur qualifié et journaliste et non pas à des financiers. Il y a d'autres actionnaires financiers qui sont entre eux, le groupe 55%. C'est plutôt à eux de répondre à cette question. En tout cas, pour ce qui nous concerne actuellement, l'avenir immédiat, c'est que je réclame un quitus de ma gestion, c'est-à-dire qu'on paye vos salaires, vos arriérés de salaire et les arriérés qui sont très minimes, qui se trouvent ici ou là. Et après, nous aviserons. Moi, comme je vous l'ai dit, j'ai l'intention de ne pas démissionner de ce métier. J'ai l'intention de continuer un projet et d'en développer. Si ce n'est pas d'égale qualité, il ne sera certainement pas inférieur de qualité à ce que nous avons fait avec Sahel TV. L'avenir est très prometteur et tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir et je vous conseille. Et je vous adjure, vous aussi, chers amis, collègues de Sahel TV actuellement, de ne pas perdre espoir et de continuer à lutter. La vie est une lutte permanente en tout cas. Que pensez-vous de ces employés qui menacent de partir toutefois que vous partiez, quoi, une fois qu'on n'est plus là? Ben écoutez, je les remercie de leur solidarité avec moi, tout comme j'ai été solidaire avec eux. Donc j'ai vécu avec eux tout ce qui a été vécu en bonheur et en malheur. Du fait que personnellement je ne cache pas, et je l'ai déjà dit à ces associés avec lesquels je suis actuellement dans ce malentendu, que j'avais l'intention de développer un autre projet, que ceux qui m'aiment, comme on dit, me suivent et on fera quelque chose d'autre. Et j'espère à la hauteur des espérances du peuple mauritanien. Merci Monsieur Baoul Salek pour cet entretien. Merci à vous et merci chers téléspectateurs. Et j'espère que nous aurons d'autres rendez-vous et que nous nous retrouverons bientôt, Inch'Allah Rabbuna, sur Sahel TV ou sur une autre chaîne. Merci. Inch'Allah. Merci. Toujours autour de cette crise, nous recevons M. Jibril Diaw, journaliste à la Sahel TV et représentant des journalistes et techniciens francophones. Bienvenue, M. Jibril Diaw. Merci. Jibril Diaw, parlez-nous un peu des conditions dans lesquelles travaillent les employés de la Sahel TV. Voilà, après tout, je vous remercie de m'avoir accueilli sur ce plateau. Donc ce serait pour moi un grand plaisir aujourd'hui de vous parler des problèmes que vivent mes confrères journalistes comme techniciens. Donc bientôt trois mois que les techniciens de Sahel TV, techniciens journalistes, vivent dans des situations difficiles, dans des conditions très sobres, pour le seul objectif de répondre à la demande du public mauritanien en général. Mais il se trouve que depuis ces trois mois, ces employés n'ont pas perçu leur salaire. En même temps, durant tous ces trois mois, ils font tout d'eux-mêmes. Souvent, c'est avec l'aide du directeur que je salue de passage, Baoul Salek, qui ne ménage aucun effort aussi pour la réussite de cette chaîne. Donc, chez lui, que nous avons transformé en studio d'enregistrement, de rédaction, de centre de diffusion via Arabsat.
Donc ces employés aujourd'hui vivent des situations les plus dures, malgré que cela ne soit pas ressenti par nos téléspectateurs, parce qu'ils ont envie d'aller au-delà d'eux-mêmes. Et je pense aujourd'hui que raison pour laquelle je suis aujourd'hui sur ce plateau, c'est pour expliquer à nos chers téléspectateurs que ce que nous vivons depuis bientôt 3 mois est une situation que je peux dire inacceptable, une vraie surexploitation et une vraie injustice que nous subissons à l'endroit de ces bailleurs de fonds. Gabriel Diaw, avez-vous eu à contacter les actionnaires au sujet de la présente situation et quelles sont leurs intentions vraiment? À vrai dire, nous avons rencontré l'un des actionnaires qui est passé nous voir. Il s'agit de la personne de M. Boukhari, donc qui est passé nous voir, à qui nous avons expliqué. Et malgré qu'il sait tout ce qui se passe, nous avons fait que lui rappeler, je ne dirais même pas lui expliquer, parce qu'il sait ce qui se passe. Donc nous lui avons rappelé les conditions dans lesquelles nous sommes depuis 3 mois, tout en sachant que la plupart de ces employés aujourd'hui, soit c'est des pères de famille, soit d'autres qui ont des charges de leur famille. Donc nous avons traversé des moments les plus difficiles avant le ramadan, pendant le ramadan et après le ramadan. Donc c'est les moments où personne ne peut comprendre comment une personne peut arriver à survivre à ses besoins. Et nous, malgré tout, avec juste cette volonté, cette passion, nous avons quand même pu, je dirais, dépasser ce niveau-là. Donc, ce monsieur Boukhari, quand il est passé, nous lui avons expliqué la situation dans laquelle nous sommes. Et la seule chose qu'il a à nous dire, c'est que oui, je transporterai votre message au bailleur de fonds. Voilà, c'est tout ce qu'il nous dit. Mais nous, personnellement, nous pensons qu'il faut encore beaucoup plus rencontrer une personne beaucoup plus responsable, peut-être, parce que lui, il se dit de toutes les façons qu'il ne peut rien faire, il peut juste apporter la nouvelle. Mais quand même, il a été la personne que nous avons contactée pour qu'il puisse contacter à son niveau les bailleurs. Les journalistes et les techniciens ont eu à envoyer une lettre de demande, d'explication. C'est exact. Quelles sont les réactions vraiment des bailleurs de fonds? On n'a pas encore eu de réaction, ce qui veut dire qu'ils se foutent vraiment de ce que nous vivons ou de ce que nous faisons. Pour eux, l'idéal, c'est de parce que les images passent à la télé, c'est pas aussi n'importe quelle image. Et voilà, moi, tout ce que je peux dire, c'est des gens qui se disent, voilà, tant qu'ils sont en train de se mettre au besoin, tant qu'ils sont en train de se mettre au travail, il ne faut pas s'occuper d'eux, il ne faut peut-être même pas parler de salaire. Et nous, ce qui est désolant dans tout ça, c'est que comment est-ce que des personnes aussi responsables, qui sont des pères de famille, responsables de famille, ne se soucient pas d'un contrat qui les lie avec des individus. Et ce qui est grave en Mauritanie. Parce qu'une société qui emploie des gens, et ces gens-là restent pendant 3 mois sans percevoir le droit, je me dis que ça n'existe nullement aujourd'hui. C'est rare de voir ça dans ce monde, à part la Mauritanie. Et bon, c'est parce que c'est des gens qui se disent que voilà, peut-être qu'ils sont au-dessus de la loi ou ils font ce qu'ils veulent, mais c'est dommage quand même. C'est dommage pour ce qui se passe. Quelles sont les décisions prises par les employés face à cette crise? Les décisions prises, elles sont simples. Nous, avant tout, nous réclamons nos droits parce que nous avons quelque chose qui nous lie à la Sahel TV. Ce n'est pas à la personne de Bab Salek, mais c'est à la Sahel TV que nous avons signé des contrats. Donc, en d'autres termes, nous, ce que nous avons pensé nécessaire de faire, les employés dans l'unanime, c'est d'arrêter le travail. Et de deux, que nous sommes prêts à tout pour que nos droits nous soient reversés. Dans les clauses du contrat, il est interdit à tout employé de la CLTV d'avoir deux boulots. La plupart d'entre nous ont laissé les autres boulots pour se sacrifier, parce que nous avons un objectif sur lequel nous voudrions atteindre. Et aujourd'hui, je dirais que nous sommes en train de payer les pots cassés, parce que nous avons refusé ce que nous avions pour en attraper une autre, et là, on risque de perdre les deux. Mais seulement ce que nous voulons intervenir, ou nous voulons interpeller ces personnes qui se disent les bailleurs de fonds de Sahel TV, de penser aux droits, que nous avons, et de nous donner nos droits. Et face à la probable démission du directeur général, Baoul Salek? Écoutez, moi je pense qu'on a déjà fait une fiche de pétition où presque tout le monde a signé que M. Ba et nous, ce n'est plus une question de Sahel TV. C'est une relation beaucoup plus humaine, c'est une personne qui a pu nous réunir, différents que nous étions et aujourd'hui une personne que nous sommes, et qui a pu faire de nous une équipe.
dynamique qui répond à la couleur de la nation, qui répond à l'attente de la nation. Donc aujourd'hui, ce n'est pas une question d'argent qui nous fait dire que nous allons changer de directeur ou nous allons quitter. Non, on a décidé de continuer le chemin avec Bahoul Salek. Quel que soit le projet qu'il aura, en tout cas, nous, ce que nous avons décidé, c'est de le suivre. S'il démissionne, nous partons avec lui. Parce qu'il reste, nous sommes avec lui, ce que je ne pense pas. Voilà. Alors, merci, M. Gibril Dia, pour cette précision. Merci de m'avoir invité sur ce plateau. Merci beaucoup. C'est la fin de cette édition événement Sahel TV. Espérons que cela ne soit pas la fin d'une très belle aventure.